Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être encore avec nous pour cette nuit blanche des chercheurs. Nous allons terminer avec cette dernière table ronde sur la question du sexe et du genre. Pour nous en parler, je vais demander à une personne qui vient du monde de la médecine et de la biologie de nous rejoindre et une personne qui vient de la sociologie. Je vous demande de leur donner un tonnerre d'applaudissements. Alors, pour en parler avec nous ce soir, vous pourrez stocker plein de questions dans votre mémoire grise parce qu'on aura un peu de temps. Pour en parler, nous avons Patricia Lemarchand. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure des universités à Nantes et praticienne hospitalière en pneumologie au CHU, si je ne m'abuse. Et Sophie Orange, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sociologie à Nantes Université. Merci d'être avec nous ce soir avec cette question un peu étrange de savoir est-ce que c'est le sexe qui est premier ou est-ce que c'est le genre qui est premier. Alors ça évoque plein de questions, j'en suis sûr, dans vos esprits, plein de débats actuels. De manière classique, on a plutôt tendance à considérer que c'est le sexe biologique qui précède le sexe social, qui se construit dans un second temps et puis qu'il est prédominant, un peu inné. Les sciences ont donc eu tendance à aller chercher du côté du sexe biologique les causes de différents phénomènes qu'on peut observer, de différences entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, en biologie, voilà, récent ou ancien, où le sexe biologique avait l'air d'être la cause première ? Mais, par exemple, en tant que pneumologue, quand il y a eu la crise du Covid, donc on s'est très vite aperçu que la mortalité chez les femmes était inférieure à la mortalité chez les hommes, et ça dans tous les pays. Et la première hypothèse a été de dire que les femmes sont protégées par leurs hormones sexuelles féminines qui viennent de leur sexe biologique, parce qu'au départ, c'est même leur sexe chromosomique, hein, elles sont XX et les hommes sont XY. Et c'est ça qui expliquerait les hormones. Sauf que la mortalité du Covid, à l'époque, au moment de la première vague, c'était des gens de plus de 80 ans. Et donc, à 80 ans, on n'a plus aucune hormone sexuelle, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Pourtant, cette hypothèse, elle a quand même été poursuivie jusqu'à ce que des études faites, notamment en France et aussi aux États-Unis, avec des approches qu'on dit intersectionnelles, c'est-à-dire en essayant de regarder plusieurs facteurs, montrent que ça n'avait rien à voir en fait avec la biologie, mais que c'était lié au fait que les femmes avaient moins de comorbidités, c'est-à-dire de maladies qui aggravent le Covid, de diabète, d'hypertension, d'obésité, et qu'elles étaient peut-être aussi, dans cette situation-là, un peu moins exposées à de grosses quantités de virus. Et donc, voilà, on avait des causes sociales et médicales, mais qui n'avaient rien à voir avec le sexe biologique. Alors, est-ce que, Sophie Orange, en analysant vos différents terrains, dans le domaine notamment de l'éducation ou de l'orientation professionnelle, est-ce qu'il y a une idée de qualité féminine ou masculine qui serait... voilà, innée, qui serait particulièrement prégnante. Oui, complètement. Dans les travaux qu'on peut mener en sociologie de l'éducation, et notamment sur la question des choix scolaires, en fait, la notion de sexe, elle est souvent avancée pour considérer les choix différenciés des hommes et des femmes, des filles et des garçons, et notamment un rapport plus distancié aux mathématiques, c'est-à-dire que les filles auraient un cerveau qui ne serait pas fait pour comprendre les mathématiques. Et effectivement, lorsqu'on analyse les parcours scolaires, on voit que les filles assez rapidement décrochent et vont s'orienter vers des carrières plutôt littéraires. Mais là, effectivement, la sociologie, elle intervient et puis elle se rend compte que on a toute une construction autour de ça et que l'intuition mathématique qui est valorisée, en fait, elle est refusée à ces filles parce que justement, elle est considérée comme un attribut du masculin, et donc elle va venir se superposer en fait à une catégorie initiale de sexe. Et donc c'est comme ça qu'on va produire des inégalités qu'on raccroche au sexe biologique, mais qui en sont en fait une superposition du sexe social. Et alors est-ce que c'est quelque chose qui perdure, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a tendance à
Parce que c'est quand même quelque chose qui a été relevé, soulevé. Il y a un gros travail de mise en valeur, notamment des femmes dans le monde de la science et dans le monde des mathématiques, pour essayer de dire aux femmes, bien sûr que vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez l'impression que c'est déjà en train de changer, ou est-ce que nos caractéristiques de genre, ou en tout cas la construction qu'on a en tant que personne genrée, est encore active de manière aussi puissante aujourd'hui ? Alors, c'est encore très actif, et même quand on essaie de contrer en fait ces stéréotypes-là, on se rend compte qu'ils fonctionnent encore à plein. Lorsqu'on regarde les enseignants discuter avec les élèves, on voit qu'ils vont avoir une certaine prudence, une certaine réserve à orienter les filles vers les filières mathématiques, sans forcément penser à mal, hein, mais en disant voilà, peut-être que c'est pas assez, peut-être que tu vas avoir des difficultés. Peut-être qu'il vaut mieux que tu fasses ça. Enfin, voilà. Donc là, c'est toujours ce qu'on constate en sociologie, hein, c'est l'inertie en fait, des processus sociaux. Ça prend du temps à changer. Et puis par ailleurs, une deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, même si on a bien en tête cette notion de genre qui effectivement construit le masculin et le féminin comme différents, et donc on essaie de s'écarter un peu de cette naturalisation liée au sexe biologique, avec le développement des neurosciences, on a un peu un retour quand même vers le biologique. C'est-à-dire qu'on revient à chercher des origines, des causes un peu naturelles, biologiques, à des différences entre des filles et des garçons, mais entre d'autres groupes sociaux aussi. Oui, parce qu'on est composé de plein de facettes. Finalement, il y a hommes et femmes, mais on est tellement de choses. On est, je ne sais pas, le deuxième enfant de sa famille. On est habitant dans telle région ou dans telle autre. On parle telle langue. On a une facette vraiment de très, très, très variée qui nous définit. Mais le sexe biologique est quand même un point qui a l'air de caractériser les personnes, d'enfermer un peu les personnes de manière plus forte. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une remise en cause dans le monde biologie, dans le monde de la biologie et de la médecine, de ce qui avait l'air d'être une assignation chromosomique à... Alors, depuis une vingtaine d'années, il y a une explosion des travaux qui cherchent à montrer des différences hommes-femmes dans les maladies. Et effectivement, ça a été extrêmement utile parce qu'on a constaté que les femmes mouraient de maladies cardiovasculaires alors qu'on pensait qu'elles étaient protégées. Mais en fait, il y a plus de femmes qui meurent de maladies cardiovasculaires que d'hommes, par exemple. C'est la première cause de mortalité. Mais ce à quoi on insiste, c'est que quand ces différences sont mises à jour, et ça concerne maintenant tous les champs de la médecine, la première hypothèse, c'est toujours, toujours celle du sexe biologique. Et c'est seulement quand celle-là ne peut pas être montrée que les gens commencent à réfléchir à autre chose. Je peux donner un exemple. Il y a une étude norvégienne qui a été conduite dans les années 1970 où donc les Norvégiens avaient essayé de voir s'il y avait un lien entre le fait d'avoir des enfants et le fait d'avoir des cancers. Et ils avaient trouvé qu'effectivement, il y avait un lien inverse, c'est-à-dire chez la femme, plus les femmes avaient eu d'enfants, moins elles avaient de cancer ORL, donc de cancer de la gorge, et moins elles avaient de cancer de la peau, le mélanome. Et donc tout de suite, ça a été, ça doit être leurs hormones. Quand elles sont enceintes, il y a une explosion des hormones féminines. Ces hormones doivent protéger contre le cancer. Deuxième idée, très dangereuse. Mais donc les femmes qui prennent la pilule, qui n'ont pas ces expositions aux hormones féminines naturelles, peut-être qu'elles ont un risque de cancer plus important si elles prennent la pilule. Et voilà comment on fait courir des rumeurs, quelquefois entretenues par les médecins d'ailleurs, en disant « Ah oui, mais on va vous prescrire la pilule, mais vous allez peut-être augmenter votre risque de cancer, etc. » Et cette étude, elle a été reprise 20 ans plus tard, et en fait, dans la cohorte, il y avait aussi les hommes. Et il se trouve que, dans un interrogatoire médical, en fait, autant on demande facilement à une femme si elle a eu des enfants, autant ça ne fait pas partie de l'interrogatoire chez les hommes. On pourrait discuter ce point, d'ailleurs. Et oui. Mais donc, ils se sont aperçus que chez les hommes aussi, c'est-à-dire plus les hommes avaient eu d'enfants, moins ils avaient de cancer de la gorge et moins ils avaient eu de cancer de la peau. Donc, du coup, l'hypothèse des hormones féminines, ça ne collait plus du tout. Et en creusant, ils se sont aperçus que c'était l'alcool pour le cancer ORL. Vous avez arrêté de faire la fête. Alors, ça, pourquoi quand on a plus d'enfants, on boit moins, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais en tout cas...
Le cancer ORL, ça faisait très longtemps qu'on savait qu'il était lié à l'alcool et au tabac, et le lien, là, n'avait pas été fait. Et pour le mélanome, donc, qui est le cancer de la peau, l'hypothèse, comme c'est en Norvège, c'est que plus on a d'enfants, moins on a d'argent et de temps pour des vacances au soleil. Alors, il y a un autre exemple qui vient de la sociologie, dont on a parlé un petit peu en préparant cette intervention, c'est le cas des troubles en milieu scolaire, où on a l'impression que c'est pas les mêmes chez les petits garçons et chez les petites filles, où c'est pas diagnostiqué pareil, où c'est pas pris en charge pareil. Qu'est-ce que vous avez pu observer sur ce sujet-là ? Oui, alors en effet, ça fait partie d'une enquête que je suis en train de mener avec une collègue sur la prise en charge des difficultés scolaires. Alors c'est une enquête qu'on a menée pendant le confinement. Alors pendant le confinement et après, les écoles n'étaient pas ouvertes, donc on s'est tourné vers les professionnels de santé qui prennent en charge en fait les difficultés scolaires, donc les psychologues, les orthophonistes, et puis on est aussi tombé sur d'autres professionnels du soin, on va dire, hein, des kinésiologues, des magnétiseurs, etc. Et on a vu alors plusieurs choses, effectivement, que de plus en plus, dans l'explication des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, on a des catégories de troubles du comportement qui n'existaient pas auparavant, qui font leur apparition. Et ce qui est intéressant avec ces troubles du comportement, c'est qu'effectivement, hein, ils n'ont pas une survenue de la même manière chez les filles et chez les garçons. Et tendanciellement, on a effectivement plus de troubles du comportement chez les garçons que chez les filles. Donc on voit comment finalement, on part d'un sexe biologique, c'est-à-dire une anatomie, ou encore, là, il faudra en discuter, mais à la naissance, sur laquelle on va produire une éducation, une socialisation particulière, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire qu'on va encourager les garçons à être plus dans la force, plus dans l'expression, et les filles plus dans la docilité, plus dans l'écoute, dans l'empathie. Ça va produire des ajustements plutôt fort entre les filles et le système scolaire, des désajustements plus forts entre les garçons et le système scolaire, et on va revenir finalement, donc là on est sur du social, on est sur le genre, et on revient finalement, on remet une couche de biologique, à la fin on y retourne en disant que voilà, il y a finalement des troubles qui sont des maladies ou des pathologies innées chez certains individus et qui vont être effectivement plus importantes chez les garçons. Et je lisais dans un livre récemment un psychiatre qui disait à propos de la des troubles de l'activité des TDAH, catégorie TDAH, où il disait, en fait, nous, avant, on appelait ça des garçons. Hein. Et voilà. Et donc, comment on a inventé, en fait, avec des comportements et puis surtout une nouvelle manière de normer, enfin, une forme de tolérance plutôt moindre, eh bien, on a inventé des pathologies sur, effectivement, ces difficultés scolaires qui sont assignées principalement, là, pour le coup, aux garçons et qui les enferment, en fait, dans finalement un trouble ou une forme de handicap inné, et donc on retourne sur le biologique finalement en troisième rideau, on pourrait dire. Ouais, c'est à se demander vraiment si la question de l'inné et de l'acquis et de la question d'une espèce d'origine biologique du corps, comme s'il était donné comme ça par la nature et qu'après se greffait dessus une sociologie, on a l'impression plutôt que la sociologie et le vécu de ce corps va l'influencer tellement qu'il va lui-même se transformer. Je rebondis là-dessus, vous me parliez aussi des catégories et à quel point cette catégorie homme-femme est floue pour toute une partie des enfants qui naissent et on ne peut pas classer certains des enfants dans cette catégorie, et on essaye quand même de le faire, et on essaye quand même de transformer les corps pour le faire correspondre au prototype archétypal de ce qu'est un homme ou une femme. Là, c'est vraiment des histoires dramatiques. Donc, en fait, on sait maintenant, et le chiffre, il est communément admis, qu'il y a 1,7% des enfants à la naissance où il est compliqué d'assigner un sexe, c'est-à-dire de dire c'est un petit garçon ou c'est une petite fille. 1,7%, c'est un chiffre important parce que, par exemple, en médecine, une maladie rare, c'est 1 pour 2000 ou moins. Donc là, 1,7%, ce n'est pas une maladie rare. Et en fait, on appelle ça des enfants intersexes, ou maintenant on dit plutôt des variations du développement sexuel. Et pour beaucoup d'enfants, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas associé à des troubles particuliers. Non, c'est juste des variations, en fait, hein, comme tout le monde sait, dans la taille du pénis, dans la tête d'une vulve, etc. Enfin bref, il y a des variations. Et par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme...
comme normal pour une taille de pénis. Je mets tout le monde au défi dans la salle de donner un chiffre. Hein, donc, bon, on fera tourner le micro tout à l'heure. Ouais. En fait, on a aussi notre droit. Le droit, en particulier le droit français, il dit qu'il faut aller à l'état civil quand un enfant est né. Alors, avant, c'était 5 jours. Je crois que maintenant, on a 2 mois pour aller déclarer la naissance, mais aussi le sexe. Et il est absolument indispensable d'assigner un sexe à cet enfant. Et donc, jusqu'à une époque extrêmement récente, hein, c'est l'affaire de quelques années, les médecins, en fait, souvent dans le dos des parents d'ailleurs, prenaient une décision en disant bah, ressemble plutôt à une fille ou ressemble plutôt à un garçon, et allaient entamer tout un parcours, alors un parcours de soins, je ne sais pas si on va appeler ça de soins, mais un parcours de trucs médicaux comprenant des interventions chirurgicales répétées, mais ça peut être 5, 10 interventions chirurgicales, pour à tout prix essayer de coller en fait à l'image qu'on peut se faire de nos organes génitaux externes, avec des souffrances infligées à ces enfants et à leurs parents de façon extrêmement importante. Donc maintenant, il y a un mouvement très important, associatif, autour de l'intersexualité. Il y a d'ailleurs une conférence là-dessus au mois du genre à Angers, là, dans la semaine prochaine, où je vous conseille d'aller, avec Michel Raz, qui est un sociologue spécialiste de cette question, notamment. Je pense qu'ils ont réussi à obtenir qu'il n'y ait plus tout ce parcours d'intervention chirurgicale. Mais il reste un problème d'état civil qui n'est pas réglé. Hein, parce qu'en France, sur notre carte d'identité, c'est ou madame ou monsieur. Mais il n'y a pas de case au milieu, etc. Donc cette catégorie, elle ne tient pas à la naissance, mais elle ne tient jamais, en fait. Elle ne tient pas non plus après. Ouais. Non, c'est-à-dire que si on prend les taux de testostérone, et les comités olympiques connaissent bien ça, qui essayent de déterminer qui est une fille, enfin, qui est une femme, qui est un homme, pour qu'il y ait des épreuves sportives qui soient bien par genre, eh bien, ils ont décidé de le faire sur le taux de testostérone, mais en fait, ils s'arrachent les cheveux. Parce qu'il y a des femmes qui ont des taux de testostérone comme des taux d'hommes, mais il y a aussi des hommes, mais chez eux, ce n'est pas contrôlé, qui ont des taux de testostérone très bas. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête sur 600 athlètes de jeux, enfin d'épreuves nationales ou internationales, chez lesquelles on a mesuré le taux de testostérone. C'était tous des hommes, et sur ces 600, il y en avait 16% qui avaient un taux inférieur au taux considéré comme une norme masculine, et 2% qui avaient un taux carrément féminin. Alors que normalement, l'athlète dans une compétition nationale ou internationale, c'est quand même le comble de la masculinité, du muscle, de la force, etc. Donc il devrait avoir son taux de testostérone qui colle avec le tableau. Et donc on a à chaque fois, en fait, deux catégories qui ne sont pas étanches et mutuellement exclusives. Et c'est vrai pour tout. La taille du cerveau. Génétiquement aussi. Et génétiquement aussi. Alors génétiquement, la différence, c'est que comme c'est par chromosome, on pourrait faire des sous-catégories. Il y a des gens qui sont XXY ou bien XXX. Donc ça donne ce qu'on appelle des variables discrètes, c'est-à-dire on peut faire quand même des cases. Alors que pour plein de variables, comme la taille du cerveau ou la taille tout court ou le taux de testostérone, on a une variable continue, c'est-à-dire qu'on va trouver tous les taux du plus bas au plus haut, ou toutes les tailles on a ce qu'on appelle un continuum entre les deux sexes. C'est intéressant. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le blob avait 320 types sexuels. On pourrait imaginer que la catégorie homme-femme est peut-être pas la bonne, et qu'en fait, il pourrait y avoir la catégorie grande femme, il pourrait y avoir la catégorie homme avec peu de testostérone ou femme avec beaucoup de testostérone. Mais finalement, le tableau est beaucoup plus compliqué et diffus. Est-ce que vous avez d'autres exemples où ces problèmes, vous m'avez parlé aussi d'un point de vue cardiaque, de réussir à voir les crises cardiaques chez les femmes, et que c'était quelque chose qui avait été peu étudié, mal étudié, et qui avait vraiment mené à des problèmes de science, quoi. Alors,
avant de parler de ça, je voudrais quand même insister sur les catégories. Le problème, c'est, à mon avis, c'est pas de savoir si c'est la bonne ou la mauvaise catégorie. Continuons d'utiliser ces catégories, moi, ça ne me gêne pas. Et personnellement, je me reconnais en tant que femme. Je porte du rose, enfin bon, voilà. Mais sachons ce qu'il y a derrière. Hein, c'est-à-dire, on a le droit d'utiliser des catégories, y compris quand elles ne sont pas étanches et mutuellement exclusives, mais faisons-le en ayant conscience de ce qu'il y a derrière. Quoi. Parce que finalement, celle-là, elle peut être intéressante à être étudiée, puisque c'est justement celle qui nous a montré que les maladies cardiovasculaires étaient beaucoup plus fréquentes qu'on le croyait chez les femmes que chez les hommes. Donc voilà, moi je ne suis pas en train de dire on abolit les catégories. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que cette catégorie homme-femme, elle n'existe pas par hasard quand même. Elle est quand même basée sur un rapport de domination. Et que donc les féministes telles que Judith Butler et d'autres sont allées jusqu'à dire c'est avec ce rapport de domination justement, et c'est en ça que le genre précède le sexe, c'est le rapport de domination qu'on va justifier par une différence de sexe. Mais ce qui préexiste avant tout, c'est le rapport de domination. Ça, ces différences seraient neutres d'un point de vue social, dans les chances d'épanouissement et des chances d'accès au bonheur. Finalement, ce serait une petite question, alors que là, elle a un impact vraiment très fort. Vous avez étudié notamment aussi les métiers qui étaient choisis en sortie de BTS, par exemple. À quel point ce rapport de domination est entré profondément dans la tête des femmes et puis dans le corps des hommes aussi, qui manifestement boivent trop, fument trop et puis meurent vite. Mais en tout cas, pour cette domination-là sociale. Non, mais je voulais juste, avant de répondre, poursuivre un peu sur ce que disait Patricia. Effectivement, je pense que c'est là aussi où on comprend pourquoi cette bicatégorisation, elle est aussi rigide, elle tient autant, en fait. C'est parce qu'effectivement, derrière, il y a des enjeux qui dépassent le simple fait de partager des populations. On pourrait imaginer que les individus, on prend une population et on découpe, on prend les blonds d'un côté, les bruns de l'autre. C'est pas le cas. Ou les petits et les grands. Il y a plein de manières, en fait, de différencier les individus. Et il se trouve que là, on s'est attaché sur une catégorie qui, biologiquement, en plus, ne tient pas, mais qui va régir en fait un certain nombre de dispositifs ou d'organisation du monde social, de hiérarchisation du monde social. C'est quand même ça qui est assez fou quand même, c'est-à-dire cette puissance avec laquelle on s'est attaché à définir une différence qui faisait plus la différence que les autres. Alors que de fait, cette différence, dans la vie de tous les jours, elle ne fait pas de différence. Je veux dire, les filles et les garçons, les hommes et les femmes peuvent faire les mêmes choses, sont construits de la même manière, en tout cas psychiquement, etc. Donc voilà. Donc c'est ça aussi sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire à quel point, comment on pouvait comprendre que un type de séparation particulier qui est complètement arbitraire en fait, tient autant et est aussi solide. Et effectivement, c'est lié à des principes de domination qu'on va retrouver après, effectivement, dans le monde du travail. Alors là, pas forcément pour répondre directement à votre question, mais moi, je m'intéresse alors à l'insertion professionnelle de ces étudiants de BTS et je regarde un petit peu quels métiers ils font. Et les métiers, on sait qu'ils sont extrêmement genrés, c'est-à-dire que y a des métiers qui sont davantage occupés par des femmes et des métiers qui sont davantage occupés par les hommes. Mais ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est de voir comment on les décrit, ces métiers. Et pour décrire ces métiers, on a des outils. On a des outils, notamment, on a un répertoire des métiers avec des fiches métiers, donc le code ROM, le répertoire ROM qu'utilise Pôle emploi, France Travail maintenant. Et donc, on a à l'intérieur toutes les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à ces métiers. Et ben, vous ouvrez deux fiches différentes, un métier plutôt masculin, un métier plutôt féminin, et ben la liste de compétences, elle est deux fois plus longue pour les métiers masculins que pour les métiers féminins. Et donc là, on voit comment la bicatégorisation, c'est-à-dire le fait de penser de manière duale hommes et femmes d'un côté, ça va aussi avoir des incidences sur la manière de penser les métiers, de penser l'activité. Et quand on pense l'activité masculine, on pense effectivement des compétences de production, de technique, etc. Et quand on pense les femmes dans le métier, on pense plutôt à des qualités qui sont considérées comme innées. Donc ce n'est pas des choses qu'on
décrit, ce n'est pas des choses qu'on explicite. Voilà, on n'a pas affaire à des compétences acquises. Et donc, ça a des effets, en fait, et ça a des effets aussi performatifs sur la reconnaissance sociale de ces métiers. C'est-à-dire que, finalement, des métiers qui ont moins de compétences, pourquoi est-ce qu'on les reconnaîtrait de la même manière statutairement ou en termes salariales par rapport aux hommes ? Enfin, voilà. Sur l'estime de soi aussi des personnes, c'est-à-dire sur la considération que les travailleurs, les travailleuses peuvent avoir d'elles-mêmes et d'eux-mêmes. Voilà, tout ça, ça va avoir des effets. Et tout ça part effectivement de cette manière, cette bicatégorisation qui est vraiment en fait à la fois solide, puissante, durable et qui a des effets en fait qui va vraiment nous guider de manière assez quotidienne en fait dans nos pratiques. Et juste pour un dernier petit exemple sur cette force de la séparation entre les garçons et les filles, petite anecdote personnelle, quand ma fille est entrée à l'école maternelle, les enfants quand ils vont à l'école maternelle, ils arrivent le matin et puis collent une petite étiquette pour dire qu'ils sont là. Et donc, normalement, voilà, c'est la classe petite section, moyenne section, ils se mettent dans le groupe dans lequel ils sont. Et la maîtresse, là, elle avait mis les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et donc, ma fille, dès son entrée à l'école, eh bien, quand elle venait dire qu'elle était là, elle se positionnait déjà dans un groupe, fille ou garçon. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Enfin voilà, mais on voit comment cette division, elle a des effets très forts et très puissants. Et donc ça a des conséquences, y compris médicales. Alors, je vais donner un exemple, par exemple, au Canada, à l'établissement français du sang, il s'était aperçu que dans un certain nombre de cas, il prélevait du sang à des volontaires femmes qui, en fait, avaient une anémie, c'est-à-dire pas suffisamment de globules rouges, et n'auraient pas dû donner leur sang à cause de leurs règles, parce qu'elles étaient en période d'activité génitale. Et donc, ils ont décidé qu'ils ne prendraient plus comme donneur les femmes en période d'activité génitale. Alors, premièrement, ça posait un problème énorme parce que c'est quand même une partie importante des donneurs, puisque en plus, on ne peut pas donner son sang non plus quand on est trop jeune ou quand on est trop vieux. Et puis, deuxièmement, en fait, ce n'était pas le problème parce que il y a plein de femmes qui ont leurs règles et qui ne sont pas anémiques et qui pourraient donner leur sang. Et de l'autre côté, il y a des hommes qui n'ont pas leurs règles, mais qui peuvent aussi avoir une anémie pour des tas d'autres raisons. Donc la vraie réponse, c'est développer un test biologique qui, en quelques minutes, permet de dire bah, vous avez une anémie, on ne va pas pouvoir vous prélever. D'ailleurs, il faut aller voir un médecin parce que ce n'est pas normal. Ou bien vous n'avez pas d'anémie et hop, on vous prélève. Donc voilà une réponse catégoriée, je ne sais pas comment on peut dire, basée sur la catégorie homme-femme, qui arrive à quelque chose qui n'a aucun sens sur le plan scientifique et pratique. La marge est vraiment tellement grande qu'à la fin, pour gérer des populations entières, ça devient vraiment... je regarde si on a le temps pour une dernière question, mais je voudrais en garder vraiment pour la salle. Je voulais revenir peut-être sur cette manière dont la vie sociale façonne les corps. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu étudier au niveau peut-être européen ou avec les États-Unis ? Est-ce que vraiment les cultures différentes et les rapports à la féminité, à la masculinité différentes produisent du coup des hommes et des femmes différentes qui ne seraient pas liées du coup à une ethnicité particulière ou voilà ou génétique, mais Il y a un exemple qui est maintenant bien connu, c'est l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est une maladie à prédominance féminine. Bon, mais les hommes aussi ont l'ostéoporose, mais un peu plus tard, donc plutôt à l'âge de 80 ans, alors que les femmes, c'est plutôt autour de 70 ans. Et en fait, l'ostéoporose, c'est lié pour partie à l'occupation socio-professionnelle. C'est-à-dire que quand on a une activité, c'était le cas des hommes pendant jusqu'à une époque récente, plus physique, etc. En tout cas, c'était eux qui assuraient ce type de métier. Ça prévient l'ostéoporose. Le fait d'être dehors, d'être au soleil, d'avoir donc une activité physique, etc. Donc tout ça, ce sont des choses, des habitudes genrées, en fait, qui se traduisent ensuite en prévalence de la maladie. Et le problème de ça, c'est que comme c'était considéré comme une maladie féminine, les médicaments n'ont été testés que chez les femmes.
Et de la même façon, pour faire le diagnostic d'ostéoporose, on va faire une espèce de radiographie de votre os, ça s'appelle une ostéodensitométrie, et on va la comparer à des radiographies d'une population de référence, et puis dire bah, votre os il est déminéralisé, donc vous avez une ostéoporose. Et bien les ABAC qui permettent donc de comparer, elles étaient exclusivement féminines, donc on n'avait pas d'outils vraiment pour diagnostiquer l'ostéoporose chez les hommes. Et on n'avait pas de traitement adapté parce qu'on n'avait que des traitements qui avaient été testés chez les femmes et dont on ne savait pas vraiment s'ils allaient marcher dans l'ensemble de la population, dont les hommes plus âgés, etc. Je garde les 15 dernières minutes pour pouvoir vous permettre de poser des questions à nos intervenants. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être faire tourner le micro parmi vous ? Il y a déjà une main qui se lève juste ici. Le micro circule. Oui, bonsoir. Merci pour votre table ronde, c'était très intéressant. J'avais une question de cas concret concernant l'AVC. J'ai entendu parler du fait que l'AVC chez les hommes et chez les femmes n'était pas diagnostiqué de la même manière, qu'il y avait une inégalité de diagnostic entre les deux. J'ai cru comprendre qu'il y avait des symptômes différents entre les hommes et les femmes quand il y avait un AVC. Et je voulais savoir s'il y avait justement ce lien avec la thématique du sexe qui précède le genre ou l'inverse. Alors pour l'AVC, je ne sais pas vraiment, je ne suis pas sûre. Mais par contre, pour l'infarctus, dans un premier temps, on a pensé que les symptômes n'étaient pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes et que ça expliquait les différences. Et en fait, il y a une étude qui date déjà de 2020, qui a repris toutes les analyses, donc c'est sur plusieurs centaines de milliers d'individus, et qui montre par exemple que la douleur rétrosternale qui irradie dans le bras gauche, qui est typique de l'infarctus, elle est présente chez 79% des hommes, mais 74% des femmes. Qu'est-ce qu'on fait de ces 5%? Est-ce que c'est significatif? Alors on a dit, on va regarder les symptômes digestifs. Les symptômes digestifs en cas d'infarctus, ils sont présents chez 34% des hommes, 38% des femmes. Donc là, un peu plus fréquent chez les femmes. Mais de nouveau, on est autour de 5% de différence. On va associer. Est-ce que si on fait tel symptôme plus tel symptôme plus tel symptôme, on a un tableau typique masculin ou typique féminin? Non. Et donc en fait, c'est mal compris. Mais les symptômes ne semblent pas jouer un rôle si important que ça. Il y a quand même des histoires de biais genrés, etc. Il y a une étude très récente qui est parue en 2023, où là, c'est des Australiens qui ont pris tous les Australiens qui avaient consulté dans les services d'urgence pour une douleur rétrosternale. Donc pour le coup, c'était à égalité, tout le monde avait la douleur. Eh bien, il y avait moins de diagnostics faits d'infarctus chez les femmes que chez les hommes. Et même quand le diagnostic était fait, elles recevaient moins de médicaments, moins de procédures chirurgicales, etc. Donc il y a vraiment une interrogation quand même sur les biais stéréotypés dans la tête des soignants. Alors, est-ce qu'on a une question encore ? Donc bonsoir. Donc c'est plus une question axée sociologie. Je suis pas expert en la matière et je me demandais si en fait le genre était une construction sociale purement fondée sur des préjugés qu'elle a engendrés elle-même, cette construction sociale. Est-ce que en fixant ces préjugés, en disant par exemple aux jeunes filles qu'elles peuvent poursuivre des métiers tout comme un homme peut le faire ou peut-être s'intéresser aux maths, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une société qui s'abolirait de cette notion entière de genre? Alors je ne serais pas aussi optimiste. Le sociologue n'est pas optimiste, alors ça a un intérêt pour lui, mais ça lui permet de pouvoir continuer à travailler pendant longtemps. Il faudrait lui payer un coup après. Je pense quand même qu'il faut revenir au principe, au fondement quand même de cette bicatégorisation, c'est-à-dire quand même sur ces enjeux de pouvoir qui sont liés à ça. Et je pense plutôt que
C'est vraiment en fait dans cette différence qui fait plus la différence que les autres qu'on trouve en fait cette problématique. Mais tant qu'on aura cette domination masculine, en tout cas ces enjeux-là, même si vous changez, enfin, même si vous arrivez à atténuer certains biais à un endroit. Voilà, le système, il est assez bien fait, le système social et l'ordre social est assez bien fait pour retrouver un peu une forme d'inertie par d'autres procédés. Donc c'est assez compliqué. En tout cas, on peut travailler effectivement, mais les modifications, elles restent quand même fortement marginales, comme pour d'autres types d'inégalités sociales, par exemple entre des enfants favorisés ou défavorisés, etc. Et ça, on le voit bien avec la réforme du bac et les maths qui sont devenues optionnelles. C'est-à-dire qu'avant, les maths étaient obligatoires en lycée général et il y avait un certain nombre de filles qui en faisaient. À partir du moment où c'est devenu optionnel, récemment, paf, on a vu rebaisser le nombre de jeunes filles qui faisaient des mathématiques en terminale. Et moi, je vois bien, dans les classes préparatoires, il y a le même pourcentage actuellement de jeunes femmes, les classes préparatoires scientifiques, qui en avaient quand moi je faisais mes études. Et ça ne bouge pas. Mais non. Et il faut aussi, enfin là c'est aussi lié à la place des mathématiques dans le système scolaire actuel, c'est-à-dire que les mathématiques n'ont pas toujours été la discipline reine. À la fin du 19e, c'était les lettres plutôt. Et donc, vous avez une forme d'homologie entre quelle est la discipline qui va être dominante dans l'espace scolaire et qui va mener aux positions dominantes dans l'espace social, et effectivement, le sexe ou le genre fort qui va effectivement se retrouver là-dedans. Donc, c'est toujours des questions de hiérarchie et de domination qui vont se jouer, mais en tout cas qui permettent quand même de montrer que on n'a pas du tout de lien entre une catégorie biologique et des compétences ou des aptitudes à telle ou telle matière. Mais effectivement, plutôt des affinités en termes de quelle est la discipline qui est la plus efficace scolairement et socialement pour accéder aux positions supérieures. La question de l'inné et de l'acquis qui n'est peut-être pas la bonne question. En fait. C'est qu'il y a des boucles d'action et de rétroaction qui du coup génèrent tout ça, mais inné et acquis n'est peut-être pas juste la bonne question. Alors, juste ici, on en a une. Juste là-bas, juste ici. Bonsoir. Un jour, on m'a transmis une idée, une thèse, mais ça a toujours été pour moi à porter d'un point de vue de l'idée personnelle. Du coup, j'aimerais vous poser la question à vous deux. Imaginons, est-ce que c'est possible que je vais appeler... est-ce que c'est possible que les cases dans lesquelles on est renfermés, les hommes et les femmes, par des principes d'harmonien, est-ce que les échelles de temps sont bonnes pour qu'on ait façonné des hommes et des femmes qui ressemblent plus aux hommes et aux femmes dont on avait l'idée préconçue à la base ? Alors, est-ce que tu fais référence peut-être à la thèse qui dirait qu'on a voulu avoir des femmes qui étaient plus petites, moins fortes, et qu'on les a sous-nourries et qu'on pour les garder dans notre... Oui, imaginons, où on dit... Darwinisme social. Je le dis très vite, mais... Oui, peut-être, c'est ça. Alors, par exemple, on dit que les hommes, ils font beaucoup de sport, par exemple. Là, je sais pas être très carré et un peu... Que les hommes sont plus grands que les femmes, par exemple. Voilà, et du coup, ils en font plus. Et du coup, C'est eux qui vont chasser le bison, et ça se, se perpétue. Est-ce qu'on n'a pas façonné physiquement des genres sociaux, parce que... Enfin, bref, j'arrive pas. Mais je crois que vous avez compris. Ben, de fait, en tout cas, la vie en société, elle produit des normes sociales. Et effectivement, les individus sont amenés à se conformer à ces normes sociales. Donc, ça va être des normes de masculinité, de féminité. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ces normes, elles sont aussi liées à la position dans l'espace social. Hein. La masculinité, elle n'est pas la même quand on est en haut de l'espace social, dans les classes supérieures, ou quand on est dans les classes populaires, en bas de l'espace social. Hein. Vous voyez deux hommes qui appartiennent à deux classes sociales différentes. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas du tout les mêmes dispositions, ils n'ont pas du tout les mêmes manières de se tenir. Le corps n'est pas le même. Hein. Le rapport, par exemple, au poids, le rapport à la maigreur n'est pas du tout le même. Et de la même manière pour les femmes aussi. Donc après, sur effectivement... La vie en société, elle conforme les individus à ressembler à des types
effectivement sociaux particuliers et elle va avoir des effets, elle va façonner à la fois à l'échelle je dirais du temps d'une vie humaine, hein, c'est-à-dire que vous allez vous conformer depuis votre naissance jusqu'à votre mort à ce qui est attendu de vous, de par votre classe sociale, de par votre genre et de par votre âge aussi, hein, on ne fait pas les mêmes choses à tel âge, et puis aussi sur l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire que oui, les hommes et les femmes ont changé aussi, les tailles, les morphologies ont aussi changé en lien avec ces attendus sociaux qui eux-mêmes ont également un peu évolué. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, Patricia Lemarchand, peut-être sur cette question du dimorphisme sexuel, est-ce qu'il y a une espèce de raison évolutive du patriarcat quoi, qui aurait amené à façonner ces corps au fur et à mesure, inconsciemment bien sûr, j'imagine que c'est la thèse. Alors, mais... Je ne sais pas, parce que je connais mal l'évolution, mais ce que je sais, c'est que Un des problèmes qui sont posés par la bicatégorisation, c'est cette façon de présenter les choses comme si les hommes et les femmes, du coup, formaient des groupes homogènes. Les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela. Et non, c'est pas le cas. Et du coup, on voit pas l'hétérogénéité à l'intérieur des groupes, en tout cas d'un point de vue médical et biologique, qui est quelquefois nettement plus importante que la différence de moyenne, en fait, entre les deux groupes. Donc, méfions-nous finalement de ça, et en particulier le mot dimorphisme. Normalement, il veut dire que c'est un trait qui n'est pas partagé, justement, hein, c'est-à-dire les lions ont une crinière, les lionnes n'en ont pas, et on parle de dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes, alors pour des dosages de testostérone, par exemple, alors que non, les deux catégories ont de la testostérone, les femmes ont de la testostérone. D'ailleurs, la testostérone est indispensable pour débuter un cycle menstruel. Sans testostérone, il n'y a pas de cycle menstruel. Et donc, ce n'est pas des histoires de dimorphisme, c'est des histoires éventuellement de différence entre les sexes, plus ou moins importantes, qu'on comprend plus ou moins bien, etc., mais pas du dimorphisme. Je crois que vous avez saisi l'essence de ma question, je vous félicite. Merci. Parce qu'on est des femmes, on est plus intelligents. Bien, on travaille plus. Je me suis bien gardé de la reformuler, on est d'accord. Bonsoir, merci pour cette table ronde. Je voulais prendre la parole juste par rapport à ce que vous avez raconté tout à l'heure, une anecdote. Il se trouve que ma fille aussi est en moyenne section. Et la mienne, elle doit dire si elle mange à la cantine ou pas. Elle ne se classe pas selon son genre. Pourquoi je vous parle de cette anecdote ? Parce que je suis enseignante, alors en lycée par contre. Et en fait, je vous ai entendu dire au début les enseignants, dès le départ, essayaient de dire aux filles, ben, ça va être un peu dur pour toi si tu choisis maths. Et je trouve qu'il y a un biais. Parce qu'on est tellement, au contraire, en tout cas dans les établissements que j'ai traversés, alors après, mon expérience reste mon expérience, hein, c'est pas de la socio, on est bien d'accord. Mais on se bat tellement pour que les filles s'émancipent, pour qu'elles osent prendre la parole, pour qu'elles participent, pour qu'elles soient hyper proactives, qu'entendre ça, ça me... à la fin de la journée, ça me... Wow. Et je voulais savoir, en fait, comment vous sourciez ça, parce qu'entendre ça, ça me... C'est pas que ça me blesse, mais quand on est tous les jours sur le terrain et qu'on justement on essaie, on fait tout pour que les choses se passent autrement. Voilà, j'aimerais savoir comment on en arrive à ces conclusions-là, parce que c'est vrai que nous on est sur le terrain et justement on va dans le sens inverse. Donc j'aimerais comprendre ça, juste comprendre. Oui, ah ben non, je comprends tout à fait que ça vous ait heurté et c'était pas du tout l'objectif. Hein. Alors comment est-ce qu'on source ça ? Eh ben on fait des observations dans des classes, on discute, on regarde un peu les enseignants. Alors certains enseignants, c'est pas tous effectivement qui disent ça, mais voilà, c'est des discours en tout cas qu'on entend, donc c'est pas forcément majoritaire, mais c'est des discours qu'on entend, c'est des discours qu'on entend aussi dans les familles et qui vont avoir des effets. C'est-à-dire que, par exemple, on a pu étudier dans une enquête la façon dont les garçons et les filles en classe prépa se jugeaient par rapport à la possession d'intuition. Est-ce qu'ils avaient de l'intuition ? Et donc là, la différence, elle est énorme. C'est-à-dire, les garçons, ils ont plein d'intuition, puis les filles, elles ont pas du tout, elles ont très peu d'intuition. Or, quand on regarde dans les rapports des concours, des jurys de concours pour l'entrée à l'école normale supérieure,
épreuve de mathématiques, ceux qui ont réussi sont ceux qui avaient le plus d'intuition, etc. Voilà. Donc on a des catégories, hein. je pars de la fin, puis je reviendrai au début. Mais voilà, on a des catégories, on a des attendus en fait, de performance qui sont vraiment liées à des dispositions particulières qu'on retrouve principalement chez les garçons. Et ça, ça ne vient pas de nulle part, en fait. Ça vient vraiment d'une manière d'appréhender en fait, garçons et filles. Et même parfois, il y a des enseignants... Alors, on a eu des enseignants qui nous disaient très, très clairement « Non, mais là, les filles, elles ne vont pas y arriver, ça va être trop compliqué parce que c'est trop abstrait. » Donc ça, on en a, ça existe encore, malheureusement. Et puis parfois, des façons d'accompagner qui sont portées par des bonnes intentions d'émancipation, mais qui ont des effets pervers, en fait. Et moi, je pense que je suis la première à le faire aussi. Hein. Je pense qu'on est tous, on est aussi tous pris dans nos biais. Et voilà, donc c'est ça, en fait, qu'on essaie de documenter. Ça ne veut pas dire que c'est général, mais le fait est, c'est que, tendanciellement, ça se maintient, en fait, malgré tout. Alors, il nous reste une petite minute. Donc, Patricia Lemarchand, vous vouliez réagir, et puis peut-être on pourra reprendre. J'espère qu'il n'y a pas d'assistante maternelle dans la salle, mais c'est montré qu'en crèche, par exemple, les assistantes maternelles ne s'adressent pas de la même façon aux bébés garçons et aux bébés filles. Et c'est montré aussi chez les femmes enceintes. À partir du moment où la femme enceinte, elle connaît le sexe de son futur enfant, elle ne va pas écouter les mêmes musiques, elle ne va pas s'adresser à lui de la même façon. Donc ça commence très très tôt. Ce qui n'est pas forcément un problème s'il n'y avait pas domination généralisée. Alors, est-ce qu'il reste une question, madame? Oui, ça me fait réagir le comportement des assistantes maternelles entre les garçons et les filles. C'est un peu juste une réaction et en même temps une question sur l'affection qu'on porte aux garçons et aux filles. La différence entre l'affection entre les garçons et les filles. Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais dans mes discussions personnelles, dans mon entourage, on m'avait dit que, en tout cas dans les études de psychologie, il y avait le constat que les garçons avaient moins d'affection que les filles données par les mamans, etc. Donc c'est juste une remarque pour dire que ça, il y a des études là-dessus qui existent. Si vous n'avez pas de réaction ou de connaissance là-dessus, c'est pas grave. Mais voilà, juste pour ouvrir une autre question en rapport avec le sujet. Pour les mamans, mais juste pour dire, peut-être pour réagir, alors là, je passe sur la question de l'affection, mais aussi sur le rapport des enseignants. Enfin, alors je suis désolée, hein, je m'acharne pas sur les enseignants. C'est pas le surtout en ce moment, c'est pas il y en a d'autres qui le font mieux que moi, enfin donc c'est pas la peine. Non, mais c'était pour dire, par contre, par exemple, les enseignants en primaire, et là encore, hein, c'est vraiment pas un jugement. Public ou privé ? Dans le public ou dans le privé ? Dans le public, Public, voilà. Public mixte. Mixte, voilà. Oui, faut le dire. En province. Voilà, merci. Dans les quartiers défavorisés. Merci, voilà, c'est imprécis. REP plus. Non, mais on remarque que la gestion des difficultés scolaires, je reviens là-dessus, n'est pas la même et que plus facilement, les enseignants qui ont des classes surchargées dans ces écoles-là, pas partout, vont externaliser en fait, davantage quand c'est des garçons que quand c'est des filles. Et donc, ça va avoir des effets parce qu'ils vont être davantage testés avec des tests psychométriques, etc. Et donc, on va repérer davantage de troubles. Alors voilà, après, il faut avoir... Et en sociologue, on a un regard un peu distancié par rapport à ces troubles. Et voilà, donc ça a aussi des effets, mais qui sont portés par des intentions qui sont vraiment le bien-être des enfants. Hein. Voilà, donc aucun jugement de valeur là-dessus. Je vous remercie. Ça y est, c'est déjà l'heure de la fin de cette conférence. Si vous voulez qu'on continue à en discuter... On peut se retrouver au bar, juste devant, voilà. Et merci à vous pour cette soirée. Je tenais à remercier encore une fois Nantes Université et Stéréolux pour son accueil. Je vous rappelle que cette soirée a été rendue possible par l'Union européenne, Nantes Métropole, la ville de Nantes et la région des Pays de la Loire. On les en remercie et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup.